Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour ce nouveau vlog. Donc c'est le vlog numéro 2 sur la chaîne La Voix de Dieu. Donc je suis très très heureuse de te retrouver comme à chaque fois. Oui, comme à chaque fois. Pour parler des affaires de Dieu, pour parler des choses de Dieu. Donc si tu arrives par le hasard des algorithmes de YouTube sur la chaîne, ben je te souhaite la bienvenue, welcome. Tu peux t'abonner, tu peux partager cette vidéo. Nous parlons de Dieu, nous parlons de la vie du chrétien. Et là actuellement, le format est sous forme de vlog parce que c'est un format que j'aime bien, comme je disais dans le vlog d'hier. Et toi qui as l'habitude de regarder les vidéos sur la chaîne La Voix de Dieu, ben, je te bénis, continue, parce que nous avons tous besoin d'être édifiés, nous avons tous besoin de la parole de Dieu dans nos vies, nous avons tous besoin des enseignements de Dieu, nous avons tous besoin de la connaissance qui enrichit, de la connaissance qui permet de vivre sa vie de chrétien pleinement. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Alors, en fait, je demandais donc à Dieu, je demandais au Saint-Esprit de me guider dans cette semaine de vlog. Oui, donc pendant une semaine, tous les jours, je ferai des vlogs sur des sujets pratico-pratiques de la vie courante. Donc, je demandais dans mon lit ce matin au Saint-Esprit de bien vouloir me guider dans le choix des thèmes. Et il m'a mis à cœur donc de te parler aujourd'hui de ta volonté. Ta volonté, ma volonté, enfin notre volonté à nous, les êtres humains, versus la volonté de Dieu. Alors, pour référence biblique au vlog d'aujourd'hui, donc je prendrai le passage où Jésus était sur terre et où il faisait, bon, comme tu le sais, beaucoup de miracles, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il redonnait l'usage de leurs membres à des paralytiques, il enseignait la parole de Dieu, il enseignait le royaume de Dieu, il parlait de son Père, etc., etc. Et ses disciples, alors je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne sais pas si tu as fait attention, mais ses disciples ne lui ont jamais demandé, ne lui ont jamais dit, « Maître, apprends-nous à faire des miracles comme toi. On veut faire des miracles aussi bien que toi. On veut parler tout comme toi, puisque Jésus réunissait les foules. On veut enseigner comme toi, on veut avoir une aisance oratoire telle que la tienne. » Les disciples ne lui ont jamais demandé ça. Il y a une chose essentielle que les disciples lui ont demandé à Jésus. Ils lui ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. C'est ce qu'ils lui ont demandé. Et si unanimement les disciples se sont joints pour demander une seule et unique chose à Jésus, à savoir le fait de prier correctement, c'est que c'est essentiel. Alors, nous n'allons pas voir toute la prière du Notre Père, telle que l'a enseigné Jésus. Nous allons voir une partie qui concerne notre volonté et la volonté de Dieu, puisqu'il s'agit du sujet d'aujourd'hui. Donc la prière du Notre Père, pour mémoire, tu la retrouves dans Matthieu chapitre 6, verset 9. On va voir le verset 9 et 10, mais elle se poursuit jusqu'au verset 12 ou 13, je crois. Donc je te laisse le soin d'ouvrir ta Bible et de vérifier par toi-même. Alors, Notre Père qui es aux cieux. Alors, Notre Père fait référence au Père que nous avons en commun, tous. Mon Père, ton Père, le Père d'une multitude, le Père d'une grande foule. Ce n'est pas juste le Père d'une personne, c'est le Père de plusieurs personnes. Notre Père qui es aux cieux.
notre Père, le Père dont on fait référence dans la prière, celui à qui on s'adresse, n'est pas un être terrestre, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas notre Père génétique, c'est notre Père, mais c'est un esprit, c'est un être spirituel qui vit dans les cieux, qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. À ce moment-là, on exalte Dieu, on le magnifie, on le rehausse, on le loue. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit reconnu, que ton nom est saint et nous reconnaissons que ton nom est saint. Que ton règne vienne, nous en appelons au règne de notre Dieu puisqu'il est dans les cieux. Nous ne sommes pas dans les cieux, on appelle le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. That's the point. Ça, c'est le point de la vidéo. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alors, mon ami, cela veut dire que la volonté de Dieu est parfaite, parfaitement établie dans le ciel. La volonté de Dieu est manifestée dans le ciel. La volonté de Dieu est souveraine dans le ciel. La volonté de Dieu s'applique dans le ciel. Elle précède Dieu. Sa volonté est établie de manière parfaite dans le ciel. Et nous, chrétiens, voulons que sa volonté s'applique également sur terre, c'est-à-dire dans nos vies, partout où nous avons à vivre, partout sur terre. On demande, lorsqu'on fait la prière de notre Père, telle que Jésus nous l'a enseigné, on demande à ce que la volonté de Dieu s'applique sur la terre comme elle s'applique dans le ciel. Je poursuis. As-tu conscience ou que penses-tu du fait que la volonté de Dieu s'applique réellement sur terre? Est-ce une vraie volonté de notre part que la volonté de Dieu s'applique sur terre? Tu peux me dire en dessous dans les commentaires, tu peux me dire ce que tu en penses. Est-ce que même lorsque nous faisons cette prière, on veut vraiment que la volonté de Dieu s'applique sur terre, dans nos vies et dans la vie de tout un chacun? Est-ce qu'on le pense au fond de nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite de manière sincère? Si oui, si la réponse pour toi est oui, dis-le-moi. Si la réponse pour toi est non, dis-le-moi également. En fait, lorsqu'on demande à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envisage, ça veut dire que on a conscience que la volonté de Dieu domine sur la nôtre. Notre volonté s'efface pour faire place à la volonté de Dieu. Ce n'est plus notre volonté qui se manifeste, c'est celle de Dieu. Rappelle-toi également dans le jardin de Gethsémané, quand Jésus priait parce que quelques heures avant qu'on ne vienne l'arrêter pour le condamner injustement et l'enfermer, il savait, Jésus savait ce qu'il attendait. Et il priait avec tellement d'intensité que la Bible nous enseigne que des grumeaux de sang perlait sur sa peau. Et en fait, il a demandé à Dieu, parce que Jésus était homme, donc il voyait ce qu'il attendait, il voyait la souffrance atroce qu'il allait vivre. Donc il a demandé à Dieu de faire en sorte que cette coupe, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Et il a terminé en disant, Père, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté.
C'est-à-dire que moi, je te demande ça en tant que ton fils, mais je ne te demande pas absolument de faire ma volonté si ce n'est pas le dessein que tu as prévu. Que ta volonté soit faite, Père. Donc moi, l'exhortation que je te fais aujourd'hui, c'est que nous prenions tous la décision. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons des choses à Dieu, lorsque nous formulons des requêtes, dans le nom de Jésus, que nous ayons toujours conscience, toujours, toujours conscience, que notre propre volonté n'a pas à être faite, que c'est la volonté de Dieu qui doit se manifester dans nos vies. Es-tu d'accord avec ça? Si tu es d'accord, like cette vidéo et dis-le-moi en commentaire. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre vlog. Alors le vlog de demain sera en rapport avec la prière. J'en ai déjà parlé dans une vidéo du dimanche, dans une étude biblique du dimanche. Mais c'était un thème tellement, tellement important que, une fois de plus, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cet enseignement avec toi. Donc, je te dis à très, très vite, à demain. Prends soin de toi. C'est Lucilla qui te dit « God bless you exceedingly ». Mille bénédictions. Bye bye.